Le secret de mariage, je vous parle ça, mes chéris. C'est le secret de mariage, le secret de renforcer le mariage, le secret de mariage, le secret de renforcer ton couple. Voilà, il va être fou de toi. Ton pied, mon pied, je vous assure, mes soeurs, sans plus retarder, vous allez voir. Vous avez vu, non, j'ai mis le ressort au feu comme ça. Vous allez faire comme je fais comme ça, la famille. Voilà, on aura besoin, j'ai ajouté l'eau dans la marmite. Vous allez faire comme ça, la famille. C'est le clou de girafe, la famille. La santé de l'homme, c'est le plus important. Ce recette-là, même si l'odeur, tu ne vas pas attendre, tu vas pas attendre l'odeur avec toi. Ton homme ne va pas te dire qui ça, ce qu'il y a sorti sur l'odeur sur toi. Jamais plus grand, jamais. Ça te donne seulement du bien, ça te sent bien. Ça nettoie Jessica. Jessica soit Jessica. Ça donne la force à Jessica. Ça rend bien doux et serré et sucré. Voilà le clou de girafe que vous le voyez avec moi. Notre recette est basée de ça. Voilà. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas le clou de girafe, c'est ça le clou de girafe, la famille. Voilà. J'ajoute dans la marmite. Comme vous me voyez, j'ai ajouté dans la marmite. Comme vous le voyez, j'ai ajouté dans la marmite, la famille. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Le clou de girafe, c'est dans la marmite. Il y a l'eau. Donc, ça se bouille, ça ne prend pas. C'est 15 à 20 minutes. Ça va être prêt, la famille. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ce clou de girafe, la famille? On doit la filtrer. Voilà. On a besoin de l'eau là. On doit la filtrer, la famille. Quand ça va être prêt, vous allez prendre. Je vous montre la démonstration. Vous allez prendre comme ça l'eau. Vous allez la filtrer, l'eau. Voilà. Si ça prête comme ça, vous allez filtrer l'eau comme ça, mes bébés. OK, la famille? Voilà. Voilà. Donc, vous me voyez, la famille? Vous allez la filtrer, le clou de girafe, là, comme ça, mes bébés. Quand vous allez la filtrer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin de sel. Voilà, sel de la cuisine. Vous allez ajouter sel de la cuisine, comme vous le voyez, la famille. C'est l'eau-là, vous allez vous asseoir pour 30 minutes. Ça va être tiers. Vous ne pouvez pas vous asseoir chaud, hein? Vous attendant, ça va être tiers. Quand ça va devenir tiers, tu vas t'asseoir dedans maintenant, tiers. Tu divises en deux. Tu t'assois dedans pour 30 minutes, la famille. Avant que tu vas aller pour le max, là. Avant d'aller faire le ballon, ma chérie. Avant que le ballon va commencer. Tu vas t'asseoir d'abord sur ça, 30 minutes. Voilà. Tu t'assois dedans bien. Tu renforces bien le Jessica. Ça élimine même les pêtes blanches, ça élimine tout. Maintenant, le reste de l'eau, là. À chaque fois, quand tu vas à la toilette, là, tu te nettoies avec ça. Tu te nettoies avec ça, la famille. Je vous assure, c'est sucré. C'est sucre. Vous connaissez le sucre, non? Le miel, ça renforce tellement. Voilà. Vous allez voir toujours du bien, mes cœurs. Voilà, mes chéris. Qu'est-ce que vous allez voir encore, la famille? Quand vous allez finir faire comme ça, la famille, vous êtes prêts, je vous assure. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas toucher. Parce que ça bombarde tellement, mes amours. Ça brûle le côté. Voilà. Voilà. Vous m'excusez. J'ai oublié la feuille de Gekka. Je devrais ajouter la feuille de Gekka. Vous, j'ajoutez la feuille de Gekka dans la marmite. Ça va se préparer ensemble. Voilà. Après, maintenant, vous ajoutez le sel. La feuille de Gekka. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est la toilette que vous allez faire. Quand vous allez finir, la famille, la pommade que vous allez faire, vous allez avoir la pommade. Vous allez chercher votre urine propre, l'urine pipi de toi-même. Tu prends ton pipi même, juste une quantité seulement. Comme vous le voyez, vous allez faire le mélange. Avec quoi? Avec le beurre de karité. Avec beurre de karité, vous allez faire la pommade là. OK, la famille? Voilà. La pommade là, tu vas préparer et déposer. Ça doit être prête. La pommade est prête là. Vous allez faire ça. La pommade là, vous allez faire comme ça, mes chéris. Comme vous le voyez comme ça, la famille. Vous allez faire le mélange là. Je vous assure. Ma soeur, et Dieu, tu seras la reine. Tu seras la reine. Tu seras la princesse. Voilà. Il faut faire avec ça, la famille. Tu ajoutes quoi? Le miel. Juste une petite quantité de miel. Tu ajoutes ça au-dessus, mes bébés. Je vous assure. C'est le championnat qui va travailler. Voilà. Tu vas faire ça, mes chéris. Vous avez vu, j'ai ajouté le miel. Tu aurais besoin de quoi? Le sel. Ma chérie, juste quantité de sel. Vous connaissez le sucre, le goût de sucre, non? Et le goût de sel, non? Donc, voilà, ma chérie. Juste une petite quantité de sel. Vous allez faire le mélange, là, la famille. Vous allez déposer l'eau au feu, comme vous me voyez toujours. Vous allez déposer l'eau au feu. Vous allez la faire diluer vraiment. Voilà, ça va être l'eau au feu. Ça va chauffer. Après, vous allez la réchauffer bien d'abord. Donc, la pommade, là, vous allez la faire prête. La pommade sera prête, mes chéris. Voilà. Quand vous allez faire l'huile là, vous allez la déposer comme ça.
au feu comme ça. Après, quand ça va se mélanger bien, vous allez prendre ça, la famille. La recette, là, vous allez prendre comment? Vous allez maintenant, la toilette est prête, là. Ça trouve, vous avez déjà fini fait. Vous allez faire le massage, là, avec le Jessica. Vous allez faire massage de Jessica, la famille. Voilà, vous avez fini faire la toilette, là. Vous allez passer avec ça, là, le massage, là. Vous allez la réchauffer bien avec le feu, bien, là. Vous gardez l'huile, là, avec vous. Maintenant, vous allez faire le massage avec Jessica. Je vous assure, mes bébés, c'est le feu qui va sortir là-bas. Je vous assure. Tout ce que vous pensez là, voilà, positivement. Donc, voilà, mes chéris. Très bien, mes cœurs.